Depuis quelques jours, une vague de chaleur s'abat sur la ville où vivent nos amis. Cette chaleur tropicale tout à fait inattendue est inexplicable. Partons avec nos amis visiter le zoo. Allons d'abord voir les ours blancs. Ils doivent avoir drôlement chaud. Pourquoi pas plutôt les singes? Oncle Lambic se sentira en famille avec eux. Soudain, une femme morte de peur s'enfuit de la maison des singes. Et oh là, mais que se passe-t-il donc ici? La chaleur, monsieur. Cette dame ne la supporte pas trop, bien. Il n'y a sûrement pas que ça. Que s'est-il passé exactement? Elle prétend avoir entendu un singe parler. C'est impossible, moi je vous le dis, c'est impossible. Depuis le temps que je travaille ici, je le saurais. Je connais bien mes singes. Quel chimpanzé? Il s'est caché là-dedans. Bien, alors vous deux, vous allez prévenir le gardien et moi, pendant ce temps, je vais voir si je peux passer par derrière. Allez, mon petit, allez. Alors, rends le joli jouet aux gentils monsieur, hein? Regarde, Lambi qui est là, il attend. Allez, donne-lui la radio. Oncle Lambi, vous vous sentez bien? Vous avez l'air si soucieux et si pâle. Que vous est-il arrivé? Les spécialistes de l'observatoire estiment que cette chaleur anormale est due à une météorite qui se rapproche de la Terre à grande vitesse. Un certain professeur Barabbas, bien connu dans les milieux autorisés, prévoit de graves événements. Le professeur Barabbas? Il se trompe rarement. Je vais lui téléphoner. Tante Sidonie, vous pouvez raccrocher. Écoutez plutôt ceci. Le professeur Barabbas, qui avait évoqué les dangers de la météorite, a mystérieusement disparu de son domicile. Les enfants, maintenant, j'en suis absolument sûre. Il se passe quelque chose d'étrange. D'abord Lambic qui agit de façon bizarre, et ensuite le professeur Barabbas qui disparaît. Vous ne pensez pas qu'on devrait aller voir Lambic? Enfin, essayer de le chercher. Il pourrait nous aider à trouver le professeur. Et nos amis arrivèrent juste au moment où Lambic quittait sa maison en voiture. Vite, ma tante! Suivez-les! Oh! Regardez! Lambic retourne au zoo! J'aimerais bien savoir ce qu'il cherche. Bob et Bobette décidèrent de suivre Lambic et Jérôme. Lamb, dirais cousin Germain à toi. Oh, monsieur Jérôme, fais de l'humour à présent. Tu ferais bien de te méfier, mon vieux. Tu risques d'être étonné. Ça alors, ils sont partis! Tu ne les as pas vus? Non, pas du tout. Ils ont disparu. Pas la moindre trace de nos deux singes. Par contre, je ne résisterai pas à la banane qui traîne. Miam, miam. Oh, regarde, la porte s'est ouverte. Psst, approchez, Bob et Bobette, doucement. Lambic au bout du passage. Venez avec moi. Pas question. D'abord, tu nous dis ce qui se passe. Je refuserai de te suivre tant que je ne le saurai pas. Bon, d'accord. Singe qui volait radio, c'était professeur Barabbas. Il pense météorite perturbe le temps. Émet des radiations, rendant singe très intelligent. Jérôme ne mettait jamais en doute la parole de ses deux amis. Hé, hey, oncle Lambic, quel beau singe vous faites dans ce costume. On dirait presque un vrai. Tu peux te moquer, Bobette. Tu riras moins quand tu sauras que les singes sont en train de préparer un coup d'état. Ça, c'est beaucoup moins drôle. Taisez-vous, les amis. Le conseil des 7 singes va se réunir. Cet enregistrement convaincra les autorités. Voici un émetteur, Lambic. Faufile-toi là-bas et enregistre tout ce qui se dit. Tu peux compter sur moi, y a pas de problème.
Et Lambic se glissa dans la salle de réunion avec son émetteur. Mes chers frères, le grand jour des singes approche. Nous, les sept grands, nous dominerons le monde. Bientôt, la météorite libératrice sera si proche de la Terre que le cerveau de l'homme frappé par ses rayons sera paralysé et transformé en robot. Mais ils ne sauront pas faire la différence entre les humains et les singes. Non, ils ne savent pas que nous sommes devenus intelligents et que nous les gouvernerons. Écoutez, je crois que le grand moment est arrivé. La météorite qui provoque l'actuelle vague de chaleur a quitté subitement son orbite et tourne autour de la Terre à la limite de l'atmosphère. Hourra ! Célébrons ensemble cet événement. Longue vie aux sept grands. Longue vie aux sept grands. Baboon, tu ne te réjouis point, frère Baboon. Puisque nous sommes intelligents, maintenant nous savons compter les sept grands sont en ce moment au nombre de huit. Quoi ? Il y a un traître parmi nous, mes frères. Que chacun se nomme à haute et intelligible voix. Et babouin de naissance, 10 ans d'Afrique, 5 ans de... Lambic, humain de naissance, comique de bande dessinée depuis longtemps, espion au service du professeur Barabbas. Foustra, ils ont eu Lambic. Nous pouvons encore l'aider. Allons tous à la voiture, et vite. Jérôme, cours jusqu'au grand building. Frère, emparez-vous de ce traître. Nos plans ne doivent pas être divulgués. Mais attends, mon gros, je vais te montrer quelque chose. Dis-moi, Jérôme, tu appelles ça de l'aide? Je t'avais demandé de me protéger, il me semble. Lambic excellent, a gagné. Viens vite, rejoindre professeur au laboratoire. Allô, la sécurité. Ici le président Gori. Arrêtez le professeur Barabbas et ses amis. Encerclez sa maison et n'hésitez pas à employer la force. Immédiatement, de nombreux tanks de l'armée quittèrent leur base pour accomplir leur mission. Alors que la population subissait les radiations, nos amis se trouvaient dans la maison hermétiquement close du professeur Barabbas. N'y a-t-il nulle part au monde un refuge pour s'abriter en toute sécurité? Je pourrais bien en trouver un, Sidonie, si mon calculateur était plus puissant. Jérôme, cerveau puissant, et tu dirais données. Brancher cerveau sur calculateur. Dans ma vie, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Mais alors là, je suis curieux de voir si cette créature primitive a une solution. Jérôme ignora les propos de Lambic et se mit en connexion avec le calculateur. Ah, Jérôme, je suis fort impressionné. Bravo, mon petit, on peut compter sur toi. La solution est l'eau. Tu veux dire que si nous allons tous boire un grand verre d'eau fraîche, nous serons guéris? Non, Lambic, sous l'eau. L'eau nous protégera des radiations. C'est à ce moment-là que les chars envahirent la maison du professeur. Hey! Vous là-bas! Rendez-vous! Immédiatement! Sinon, nous allons faire feu! Mais les singes n'attendirent pas la réponse. Et ils se mirent à tirer. Je savais que ça arriverait! Les amis, j'ai tout prévu! Vite, tous à la cave avant de se faire massacrer! Ancré sous une voûte, voici l'aigle fin d'acier, le bathyscaphe du professeur. En avant, toutes! La mer est à nous! Oui, mais enfin, elle est plutôt entre nous et les singes. Mais nous sommes prêts! Les singes arrivèrent juste à l'instant où le bathyscaphe plongeait. Allô, quartier général. Les espions se sont enfuis en sous-marin. Vraisemblablement en direction du port. Prévenez la flotte de la Gorille Air Force. Ils ne doivent pas être bien loin. Immédiatement, un escadron de la Gorille Air Force décolla. Pendant ce temps, nos amis atteignirent la pleine mer, mais ils apprirent de mauvaises nouvelles. Six rebelles qui ont attenté à la vie de notre président, Gorille, se sont échappés en sous-marin. L'aviation et la marine tentent de les localiser. Oh,
c'est nous. Oh mon Dieu, ça sent le roussi. Comme tu le dis, Bobette, j'en ai bien peur. Professeur, si j'étais vous, je plongerais. Il semble que les appareils de reconnaissance ont découvert le bathyscaphe. Un navire droit devant, plongez! Impossible, ma pauvre amie. Il doit y avoir quelque chose de détraqué, la jauge est bloquée. Nous ne pouvons pas plonger. Attendez, une conduite est sûrement bouchée. Viens, viens avec moi, Jérôme, on va aller voir ce qu'on peut faire. Taisez-vous. Moi, écoutez avec attention. Conduite bouchée ou pas, je veux retrouver ma fanchon. J'ai perdu ma fanchon. Ce Bobette, c'est une question de vie ou de mort. Alors cesse de nous casser les pieds avec ce bout de chiffon, compris? Le croiseur simiesque s'approchait dangereusement du bathyscaphe. Tenez-vous prêt à tirer. Dès que vous serez assez proche, je vous donnerai l'ordre de faire feu. Envoyez oxygène. Patient prêt à subir l'opération. Jérôme ouvrit la conduite d'une main assurée, mais le simiesque lança ses premières charges. C'est affreux, épouvantable! On dirait que ça vous est égal! Le sous-marin va couler, on va tous couler! On va mourir et j'ai perdu ma fanchon! Ferais bien de te taire, Bobette. À l'avenir, attention, ranger tes affaires. Redoublez les tirs, ils ne doivent pas s'échapper! Longue vie à go, Mes amis, comment ça se passe maintenant? Opération réussie. Refermée, conduite. Professeur peut plonger. Sans perdre une minute, Aiglefin d'acier plongea, échappant ainsi à l'ennemi. Ils se sont échappés, capitaine! Dois-je avertir le président en Gorille? Je m'en suis rendu compte, pauvre imbécile. Et en ce qui concerne Gorille, il ne doit rien savoir. T'as compris? Mais compris, capitaine. Compris. Et le bathyscaphe navigua des jours et des jours dans le monde du silence de l'océan Atlantique. Fort heureusement, il était équipé de moyens de communication les plus sophistiqués. Et nos amis pouvaient se tenir au courant des derniers événements. Messieurs, les singes sont maîtres du monde. C'est un fait établi. Nous n'avons plus à convaincre personne. J'ai fait construire une rampe de lancement sur ma base secrète pour la bombe à hydrogène. D'aucun endroit du monde, on ne peut la repérer. Hélas, le plan de Gorille était grand. J'aimerais vous rappeler que la bombe H a été fabriquée à mon QG, que c'est la plus grosse bombe qui ait jamais existé. Et que si vous me désobéissez, je vous détruirai. Il est court-circuité des neurones, ce fou. Oh, ça suffit, Bobette. Arrête cette télé, je ne supporte plus de voir cette face de singe bête et méchante. Oui, il faut réagir, ce type est fou, on doit faire quelque chose. On ne peut pas laisser des singes aussi dangereux établir les règles du monde. Eh bien, les amis, il nous suffit de forcer l'entrée du quartier général de Gorille et de détruire sa rampe de lancement. J'ai installé des détecteurs secrets sur le périscope du bathyscaphe. Et hier, j'ai constaté qu'il n'y avait plus de danger de radiation. Très bien, on peut refaire surface. Mais comment nous y prendre ensuite? Oh, c'est simple comme bonjour, le style James Bond. Dur, cynique, implacable. Agent 00 grand 7, équipé des dernières nouveautés, tout à fait mon genre. Bonne idée, Lambic. Je peux te préparer un tas de gadgets d'agent secret sans difficulté. Petite minute, oubliez quelque chose. Bond, toujours accompagné, très belle fille espionne. Excellent! Si Denis fera l'affaire, si un institut de beauté veut bien y travailler sans relâche tout un trimestre. Zéro, zéro grand, ça ferait bien de se regarder dans une glace avant de parler. Le bathyscaphe continuait sa route en direction du QG de Gorille. Regarde ça! Une chemise blindée, à col extra souple, lance-grenade, dégageant uniquement des gaz soporifiques. La chaussure droite lance-aiguille se porte au pied gauche. Le nœud papillon téléguide l'aiguille. Le soulier gauche spécial pour chausser le pied droit. Et pour finir, ma pièce maîtresse, le véhicule blindé avec couchette imperméable pour agent déguisé en bébé. Plus un biberon lance-fumée, spécial gaz lacrymogène avec housse de camouflage. Quelques jours plus tard, le bathyscaphe arriva enfin à la presqu'île de Monaco, le QG de Gorille. Fichtre, la ville fourmille de troupes. Je vois même un blockhaus en pleine mer sans aucune entrée.
C'est sûrement le QG de Gorille. Il est entouré de mines et il doit y avoir un tunnel sous la mer. Je crois qu'il est temps que 00 Petit 7 se mette au travail. Oui, pas de problème, vous allez pouvoir l'apprécier. Regarde, 00 Petit 7, je t'ai apporté quelques petits gadgets. Un poudrier à écouteurs incorporés, avec poudre anesthésiante. Des gants garnis de dynamite, avec échelle de soie par étirement. Un bracelet à émetteur-récepteur incorporé. Un briquet lance-flamme. Et le top du top, des boucles d'oreilles bourrées de dynamite. Ah oui, j'oubliais, les chaussures de balle à pointe réservoir et talons à réaction. 00 Petit 7, à Batiscaf. Survol Villa de Gorille. Vais atterrir sur toi. Bon sang, un garde. Première chose, restez de glace et tâchez de s'infiltrer pour éliminer l'ennemi. Excusez-moi, jeune homme, pouvez-vous me dire si je puis rencontrer le président Gorille? Alerte! Alerte, espion! Que penses-tu de ça, bon militaire? Que j'oublie de prendre soin des autres petits. Tu parles d'un style! Descendre une corde lisse avec ce gant explosif! Allô, Batiscaf, ici 00 Petit 7. Venez m'aider, mes talons ne fonctionnent plus. Allons-y, les amis! Sidonie a des problèmes et il faut la sauver! En avant, les gars! Allez, ramenez-moi ce bon à rien d'espion. La dynamite de mon gant va neutraliser toutes ces voitures. Quel magnifique feu d'artifice! Ils ne me rattraperont jamais! Regarde là-bas, Bob! Cette tante Sidonie! Oh, mes dieux du ciel! Elle roule sur un champ de mine! Allô, le Batiscaf, ici 00 Petit 7, prière de prévoir à quoi faire. Le matin suivant, Lambic et Jérôme partirent en reconnaissance en ville. 00 Grand 7, prend air, bébé. Patrouille en vue. Oh. Stop! Contrôle, qu'avez-vous dans votre landau? Un bébé, moi étudiant en babysitting, fait prendre air enfant. Ah, oh, ah, bon petit, bébé. Ah oui, il y a, papa, oui, papa. Tout va bien, tout va bien. Ce n'est qu'un tout petit. Bébé, laissez-le passer. Imperturbables, Jérôme et Lambic continuèrent leur chemin. Un bébé avec toutes ses dents et du poil sous le nez. Qui se dirige vers la zone interdite. Je vais prévenir les blindés. Les tanks ont immédiatement repéré Jérôme et Lambic. Jérôme, danger droit devant. 00 Grand 7 met son plan en action. En effet, à peu de distance de nos amis, les chars de gorilles avançaient, prêts à les éliminer. Hé, hey, vous les espions, rendez-vous. Jérôme, prépare notre véhicule à l'assaut. Je me charge de faire diversion. 00 Grand 7 sortit son arme secrète. Un ouvre-boîte géant. Vas-y, fonce, Jérôme! Oh, ils réfléchiront à deux fois avant de nous attaquer et c'est bon à rien. Maintenant, nous débrouiller. Peut pas utiliser deux fois ouvre-boîte. Sans rencontrer plus d'opposition, nos deux amis arrivèrent devant la porte blindée du bunker. Mais là... Ils n'ont pas l'air trop forts. Ah, braque ton arme et transperce-les de toutes parts. Ah.